Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle année 2020, plein de bonheur, plein d'amour, plein d'argent. Mais avant tout, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et comme je le dis tout le temps, faites ce qui vous fait plaisir. Enfin, je m'entends, on ne peut pas toujours faire ce qui nous fait plaisir, mais amusez-vous, faites-vous kiffer. On n'a qu'une seule vie, alors faites en sorte qu'elle soit heureuse et qu'elle soit remplie de bonheur. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je vous tourne, on est le 1er janvier et officiellement, je passe mon temps à m'occuper de cette chaîne YouTube. Enfin, je passe mon temps. Maintenant, je parle encore du nez, désolée, et j'ai une grosse rhino. Mon travail s'est arrêté au 31 décembre, donc hier. Et maintenant, je me consacre à cette chaîne YouTube pour la faire vivre. Voilà, pour mettre encore plus de tripes dedans. Donc, voilà. Je sais pas si vous verrez un changement ou pas, mais le Père Noël m'a apporté une ring light. Donc, j'ai un parapluie, une ring light. Donc, voilà, je sais pas si vous allez voir la différence. Moi, quand je fais des photos sur Insta, je vois clairement la différence. Après, voilà. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un try-on, un essayage. J'ai reçu de nouveau des vêtements de la part du site Esprilia. Vous savez, maintenant ça fait 6 mois je pense, un peu plus de 6 mois que je suis en collaboration avec cette marque. Alors Esprilia en fait c'est un site qui est 100% grande taille pour la femme, désolé messieurs. Et effectivement ils proposent des tenues tendance pas chères pour habiller les femmes rondes, voilà. Donc à chaque fois je reçois des tenues et je les essaye et je suis toujours ravie, voilà. Non pas que je sois un petit poney, mais c'est pour ça qu'à chaque fois je dis oui, que quand ils me reproposent une repropose, il n'y a pas que le nez qui est bouché là, il y a les canaux pour aller jusqu'à mon cerveau. Quand ils me proposent de nouveau un partenariat, je dis oui. Ils m'ont demandé de choisir 8 vêtements sur leur site gratuitement et voilà, donc et de vous les montrer en vidéo et de dire ce que j'en pense. J'en ai reçu que 6, je comprends pas ce qui s'est passé. J'avais commandé des trucs, c'était trop beau en plus, je suis dégoûtée. En parlant de trucs trop beaux, si vous demandez ce que j'ai sur les yeux, parce que là, waouh, attendez, je vais vous zoomer. Ce que j'ai sur les yeux, bon, cet œil-là pleure comme toujours. Je me suis maquillée avec la palette So Jade. De chez Colourpop que j'ai eu dans notre swap avec Elodie. Voilà, et pareil pour le rouge à lèvres, c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury qu'elle m'a aussi envoyé dans le swap, donc comme quasiment tout ce que j'ai là sur moi d'ailleurs. Comme je dis toujours quand je vous présente des vêtements de ce genre de site, parce qu'il me semble que c'est un site asiatique, méfiez-vous au guide des tailles et non à votre taille, parce qu'il y a des trucs que vous pouvez prendre en 1X, en 2X, en 3X, en 4X, pourtant vous faites toujours la même taille. C'est juste qu'il faut se méfier, il faut vous rentrer vos mesures sur le site ou vous les noter quelque part. Et voilà, c'est tout. Comme ça, vous savez, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Il y en a souvent qui m'envoient des commentaires en disant « Moi, j'ai reçu un truc trop serré, trop ceci, trop cela. » Achetez aussi des trucs en fonction des tissus, regardez bien. Achetez des trucs aussi en fonction de votre morphologie. Je le dis à chaque fois, mais... Voilà, moi je sais qu'il y a des choses, ça sert à rien que je les achète parce que ça m'ira pas avec mon body. Oh, ce pull, il y a des cachotteries dessus. J'ai dû attraper un truc tout à l'heure là et ça c'est un petit goupillon. Tu peux pas cacher des biais. Ce pull c'est une grosse arnaque, il faudra que je vous en reparle dans mon prochain haul. Voilà, j'ai plein de vidéos à vous tourner, bref. J'ai tous les vêtements, donc les 6 vêtements là à côté de moi, je les ai déjà essayés, donc comme d'habitude je vais vous mettre, je vais me décaler, je vous mettrai la photo du site avec le prix et l'essayage sur mon body svelte et musclé. Allez, je me décale. Voilà. Alors cette fois-ci, j'ai l'impression que je suis vachement basse, maintenant je suis vachement haute. J'ai cette fois-ci commandé un pantalon sur Esprilia, oui parce que sur Esprilia, il y a rarement des pantalons. La dernière fois j'avais commandé un legging, non, plus jamais. Mais je vous renverrai vers le... Qu'est-ce qu'il est affreux ce pull. Je vous renverrai vers l'autre vidéo que j'avais tournée à ce sujet. Mais j'ai quand même tenté de nouveau le coup ou l'autre. Le pantalon était beaucoup trop léger et beaucoup trop transparent. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par le pantalon, tiens, pour changer un peu?
je me suis fait agresser par un pantalon. Donc comme d'habitude, vous recevez ça dans des petites pochettes comme ça. Alors c'est le genre de pantalon que j'ai pas du tout l'habitude de porter, mais je le trouvais hyper beau là, comme vous voyez sur la madame. En fait c'est un pantalon qui se resserre et la couleur elle m'a fait craquer. En fait c'est un beau kaki comme ça, bah là je vous montre le derrière. Il est vraiment bien, je l'ai pris en 4XL. 5XL, je l'ai pris en 5XL. Non, c'était le devant. En fait, vous avez une ceinture comme ça, bah, que vous venez resserrer à la taille. Et vous avez également des petits liens en bas que vous venez resserrer au pantalon pour que ça fasse un effet un peu... pantalon resserré aux chevilles, quoi. Enfin... Il est vachement bien. La matière est pas très très épaisse. Alors, je voulais un truc qui soit très large pour pas que ça me colle et qu'on voit toute ma cellulite. Hein, Mina? Ah ouais, la cellulite, on en parle. Et je suis ravie, je vois ça avec un petit body rentré à l'intérieur. Et pour une fois, des chaussures de filles. Oui les gars, peut-être pas des baskets. Quoique je serais capable avec des chaussures running de prendre ça. Enfin bref, la matière est plutôt sympa quand même, je dois l'avouer. Il n'a pas de bouton, c'est juste un élastique. Mais du coup, vous pouvez le resserrer avec la ceinture qui est livrée avec, tout simplement. Voilà, encore une belle découverte dès qu'ils ont sorti ce pantalon. Je me suis dit, oh là là, faut que je le prenne. Parce que chez Esprilia, ils font rarement des pantalons. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi d'ailleurs? Dites-le nous, Esprilia, en commentaire. Ah oui, j'ai recommandé un truc improbable. J'ai commandé une espèce de salopouette. Pantalon. En fait, c'est une salopette qui vient s'attacher comme ça devant. Et derrière, vous faites un lien, enfin un nœud en fait. Hop. Mais je trouve que ça... Bah, pas trop avec ma morpho. La taille est bonne, j'ai pris 3XL, mais sur le mannequin, déjà c'est une matière qui se repasse hein, parce que c'est tout froissé là. Sur le mannequin, ça avait l'air beaucoup plus long. Et moi, bah mon 1m70, voilà. Mais du coup, avec le ventre et tout ça, ça me fait une touche à chelou quoi. Et mon ventre, je sais pas, il faut que je trouve un moyen de porter cette chose. Ou alors si vous achetez cette chose, voilà, ça c'est le genre de truc j'ai testé alors que je savais que ça allait pas à ma morphologie. C'est le genre de chose qu'il faut porter si vraiment vous n'avez pas de ventre et pas trop de culottes de cheval en fait. Si vous êtes comme ça, comme Bob l'éponge là, voilà. Je trouvais ça super intéressant en fait et je me suis dit après tout pourquoi pas. Parce que moi je m'en fous qu'on se dise ah le truc qui lui fait un gros ventre ou ah, le truc qui lui fait une grosse miaou miaou. Je m'en fous en fait, moi je suis à l'aise dans mon style, pas toujours dans mes vêtements mais je suis à l'aise dans mon style. Et je trouvais ça sympa en fait, le fait qu'il y ait des petits boutons comme ça. Ça s'ouvre pas du tout hein, les boutons, c'est juste pour faire mignon. Et qu'après là vous ayez deux poches mais les poches arrivent en bas du ventre, ça fait un peu... Moi je sais pas, bref je sais pas mais je pense... qu'il y a un truc, il y a un truc. Ensuite, encore un vêtement. Et là, je crois que c'est que des hauts. Non, il y a un truc, c'est pas que des hauts. J'ai pris un petit pull comme ça. Sur le site, ils font beaucoup de pulls. Et c'est vrai que moi, je me dis, même si vous achetez un pull tout simple, vous pouvez toujours le rendre ouf avec juste un petit truc. C'est-à-dire soit un foulard ou un gros collier ou une coiffure improbable. Ou avec un jean, rentrer dans un jean, mais comme si, mais comme ça, enfin bref, on s'en fiche. J'ai pris un pull de cette couleur-là, je l'ai pris en 2XL, et je trouvais que les manches comme ça, qui étaient volantées, c'était sympa. Certains diront, oui, mais ça t'élargit. Oh, de toute façon, je suis déjà large, donc que je sois un peu plus large, un peu moins large, regardez là. Ça m'élargit pas, ça peut-être? Je m'en fiche, je suis, comme je vous ai dit, à l'aise dans mon style, donc... Voilà, la couleur, elle est plutôt sympa. J'avais peur qu'il soit court, mais finalement, on est yimbe. On est yimbe. Encore une fois, on tient un truc. Franchement, ça, je le vois hyper bien porté avec un cuir noir en bas, un pantalon cuir noir. Je le rentre dans le cuir avec une grosse ceinture, voilà. Et soit un béret, ouais, un béret noir. Ça ferait trop beau. Et voilà, des petites boucles d'oreilles en forme de perles, on tient un truc. Encore une fois, on tient un truc. Bah voilà, j'ai un style, les gars. Hey! On est encore sur un pull, et celui-ci, il est très bizarre au toucher. Je pourrais pas vous l'expliquer. Alors, il est très beau, je l'ai pris en 3XL. Il est vraiment très très beau. Il est bigou, comme les malabars.
Le haut est blanc et le bas est jaune moutarde. Et pareil pour les manches. Les manches partent en évasé comme ça. Je trouve ça trop canon, top moumoute. Et la matière, elle est toute douce. Vous verrez rien. Elle est toute douce et vous voyez, elle est côtelée comme ça. Je sais pas comment expliquer. C'est pas pour autant qu'il est transparent. Mais je sais pas, c'est trop bizarre. C'est doux. Oh. Non, Marie, fais pas ça. Et il est bien, il est en... c'est un carré en fait, encore une fois comme Bob l'éponge. Et du coup il va à tout le monde, à toutes les morphos. Ça, vous mettez ça pareil avec un slim bleu ou un slim noir, peu importe, on s'en fiche. Ou voilà, et tranquille, franchement vous avez le look là. Ça là, avec un beau turban comme ça sur la tête, ça doit être trop sympa. Et des gros bijoux, des grosses boucles d'oreilles et des grosses bagues. Voilà, parce qu'on est toujours dans l'excès ici. Sinon c'est pas drôle. Plus ça va et plus c'est bouché là-dedans. Il y a du monde, c'est la manifestation. J'ai les gilets jaunes qui sont rentrés dans ma gorge et dans mon nez. Cette chose-là, je l'avais déjà repérée plusieurs fois sur le site de Esprilia. À chaque fois, je me demandais, je le mettais dans mon panier, après je l'enlevais. Et finalement, j'ai dit, prends-le. Allez, quand ma mère et ma soeur l'ont vu, elles m'ont dit, ça c'est ton style. Non, je vous rassure, elle parle pas comme ça, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai attrapé mon pinceau? Je n'en sais rien. En fait, j'adore moi les pantalons carottes, je suis une fan de pantalons carottes. Si le pantalon kaki avait été en noir, je l'aurais pris aussi en noir parce qu'il est canon et j'aurais pu le mettre avec ça. En fait, c'est une chemise. Je l'ai pris en quelle taille? En 3X. C'est une chemise de femme d'affaires, accomplie ou pas d'ailleurs. Moi, j'adore le look sage comme ça qui font croire que t'es à moitié sage, t'es intelligente, mais t'as pas ton vice, hein, c'est pas vrai, on te connaît. Et en fait, du coup, il y a plein de petits pois comme ça, de toutes les tailles. Je trouvais ça hyper mignon. Et ils le vendent avec une ceinture comme ça, que vous venez nouer autour du cou pour vous faire genre comme une grosse cravate loose. Mais, chose que je n'ai pas comprise, sur le site, on est d'accord, ils ont mis ça aussi en cravate. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Par contre, ils ont mis des passants. Ils ont mis des passants pour la ceinture. Mais pourquoi? En plus, là, pour une fois, c'est des beaux passants. Donc, on peut pas les défoncer et les enlever, quoi. Faudrait tout dépoudre. J'ai pas compris. Bah, j'ai pas compris. Après, vous pouvez vous faire aussi un style... Ah ouais, tiens. Oh là, je tiens encore un truc. Vous prenez une ceinture noire, comme ça, un bout de tissu noir. Vous le mettez là. Ok. Ça, vous le mettez... pas rentrer dans un pantalon mais par-dessus un pantalon et cette fois-ci vous venez nouer avec ça ou alors inverse ça autour du cou et la ceinture noire autour dans les passants, quoique non, plus ça dans les passants, enfin bref, et vous laissez du coup sur le pantalon avec le gros nœud. Et franchement la matière est très 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 belle, très quali. J'adore à chaque fois les petits détails qu'il y a et tout au niveau des petits boutons, c'est nickel. J'adore ce genre de choses. J'avais déjà commandé un petit chemisier comme ça chez eux. Je suis madame chemisier, j'adore ça. J'ai mon armoire est pleine de chemisiers. Faut que j'arrête. Voilà. Franchement, je trouve trop quali, trop bien. Ça va, ma morpho, je rentre dedans, je suis trop contente. Mais en fait, je rentre dans tout ce que je vous montre là. C'est un spoil. Et ensuite, pow, dernière chose que je n'ai pas du tout eu envie de replier quand j'ai mis ça dans le... dans le papier apparemment. J'ai repris un body. En ce moment, passion body, je ne sais pas ce qui se passe. J'en avais demandé aussi un autre et également un gros manteau, mais ils sont pas arrivés. Mais par contre ce body, j'arrête pas les bodys en ce moment, je trouve ça trop bien. Voilà, comme ça au moins, vous mettez ça dans votre pantalon. Hein. Dans votre pantalon, quand vous vous baissez derrière, on voit pas la ficelle du... Non. Vous verrez rien. Il est magnifique ce body. Regardez-moi les manches. Je vous vois. Oh. Je l'ai pris en... Je l'ai pris en 3X. Il est trop bien. J'adore le détail ici. Au niveau du col en V qui met ma poitrine en valeur. Merci Christina. La matière est élastique, nickel chrome. Et il a deux pressions au niveau du bah, de la kikuna, hein, il faut bien que ça se ferme. Non, il y a trois pressions, ça sent avec des pressions, il y en a trois comme ça. Nickel, moi les bodys, j'en ai plusieurs de ce genre de site.
D'ailleurs, j'en ai aussi un de chez Esprilia. Ça ne part pas dans la journée. C'est pas quand je m'assois, ça fait clac clac clac. Non. Là, ça ne bouge pas. Que nenni. Ça ne bouge pas et ils sont hyper confortables. Et ce que j'adore, c'est que ça ne vous fait pas la trace de la culotte. C'est limite, comme je vous ai dit, un peu tanga. Enfin, pour ma part, je trouve ça un peu tanga. Et c'est parfait. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup les manches comme ça en dentelle transparente. Vous allez le voir passer plusieurs fois. Hein. Déjà, l'autre body, j'arrête pas de le mettre. Et voilà, ça me donne envie d'acheter tellement de body. Qu'est-ce que j'ai avec les body? Avant, je ne trouvais pas de body spécialement beau ou spécialement à ma taille, où j'avais peur que ça aille pas et que j'arrive pas à les fermer, parce que j'en ai pris un la dernière fois que j'arrivais pas à fermer. Et là, nickel, il me scie en plus, il me fait, il me maintient au niveau de la pff, oh, bref, on s'en fiche, il est trop beau. Je suis en amour pour ce body et je sais pas si vous verrez, ouais, vous voyez le détail des manches, mais c'est magnifique, c'est trop trop beau. Je reprends ma place. Voilà pour tous les essayages, franchement encore une fois un énorme coup de cœur. Ce site, franchement, à chaque fois ils m'envoient des choses, c'est des pépites. Ils n'ont pas des milliards de choses, c'est comme sur les sites asiatiques où vous pouvez trouver des milliards et des milliards de choses qui n'ont ni queue ni tête. Là ils ont quand même plein de choses par saison et tout ça, donc voilà, mais c'est pas dans l'abus. Même si à chaque fois que je veux faire ma sélection, je passe 2 heures sur le site. C'est dur de vouloir être belle. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà commandé sur ce site et ce que vous en pensez. Moi, à chaque fois, c'est une grosse surprise, une très bonne surprise. Je ne dis pas ça parce que j'ai reçu les produits gratuitement. Je les reçois à chaque fois, je vous en parle, je vous dis toujours la même chose. De toute façon, vous me voyez toujours les porter. Que ce soit là tout le long du mois de décembre, vous m'avez vu porter les body, les pulls et tout ça. Je les avais toujours sur moi, vous me voyez en photo Insta avec toute la journée. Je les passe au lave-linge, je les passe au sèche-linge, je n'ai pas de problème. Voilà, mon armoire est blindée. Il va falloir que je m'achète un dressing parce que c'est plus possible. Ça, c'est des problèmes existentiels. Voilà. Pour 2020. Allez, go! J'arrête de parler parce que je suis un peu amorphe là. Je vais aller prendre une pastille de je sais pas quoi là et du Fervex. Et je vais aller dormir. Voilà, tant qu'à faire. Quoique, ça serait con d'aller dormir avec ça sur les yeux. Quoique, la Belle au bois dormant, elle était maquillée, elle, non? Et son mascara n'a pas coulé pendant toutes ces années. N'a pas hydré non plus, quoi. Arnaque, arnaque. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.